que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la tenue de la 4e édition Festival de Baïla. Je tiens encore une fois à féliciter toute la jeunesse cordiale de Baïla pour avoir initié ce festival, mais aussi pour son engagement à le pérenniser. Il est clair que mettre sur pied un festival à Baïla, mais le réussir et le pérenniser est plus difficile. C'est pourquoi, dans notre volonté de marquer cet événement dans le calendrier culturel national et même international, nous serons toujours à vos côtés. La conception de ce festival qui prend en compte la culture, le social, l'économie et mais aussi l'éducation dans son ensemble trouve sa place dans la politique du chef de l'État, je vais nommer Macky Sall, président de la République du Sénégal, notamment à travers le PS, le plan Sénégal émergent. Le thème retenu pour le forum de cette édition, la formation professionnelle, un atout majeur pour la relance du développement de nos pays est d'une grande importance. Vous me permettez de m'arrêter sur ce thème puisque nous y parlons du développement. Il est évident que l'enseignement général occupe une place de soi dans l'orientation que nous devons à l'éducation de nos enfants. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'enseignement technique et professionnel reste une solution durable pour le développement de nos localités dans notre cher pays, le Sénégal. Nous allons donner la parole, comme je le disais tantôt. C'est pourquoi j'invite à toute population à venir assister au forum qui se tiendra demain. Et je finirai mon propos par remercier les autorités ici présentes. Je veux nommer le maire de Djibidjan, Olampan, le maire de Djegoun, le maire de Mangangoulek et aussi Hortense Djedjou. Et je finirai mon propos aussi à remercier le représentant de Mamida Dafé, qui est aujourd'hui un fils de Baïla. Il a dit tout à l'heure, Djibi Goudjabi, qui s'appelle Abdou Goudjabi, que vous connaissez bien. Abdou Goudjabi qui a mouillé le maillot avec l'équipe de Baïla. Et aussi, il a été président de l'Amicale des étudiants et aussi secrétaire général de la JCB de Baïla, que je tenais ici vraiment à remercier, à féliciter et à encourager. Grand, vraiment, je vous dis merci. Merci pour le déplacement effectué. Depuis hier, effectivement, on est entré en contact. Et il me disait vraiment, je vais te créer une surprise. Et vraiment, au retour, merci, mon grand frère, Abdul Karim Goudjabi. Sur ce, je déclare ouvert pour cette 4e édition du Festival de Baïla, que vraiment la fête soit belle. Merci pour votre aimable attention.